Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment qu'on était absent des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, je sais pas si vous voyez derrière, donc nous sommes à La Beaujoire. Derrière, il y a le stade de La Beaujoire. Allez les jaunes. Et donc on va en face au parc des expositions parce qu'il y a le salon du camping-car. Allez, on va aller visiter tout ça tout de suite. C'est parti. Voilà, Pulse GT. Voilà, on est sur un autre modèle. Hein. Mais je crois que celui-là, c'est simplement le Pulse. Donc pas mal. Hein, avec ici, on a vraiment une salle de bain qui ferme. Enfin, une douche qui ferme. La soute, elle doit être encore plus grande. Parce que la soute, elle est énorme. Ouais. Et les toilettes, ici, j'imagine. Exactement. Parce que tu peux fermer les mettre indépendants ou leur tout. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que cette porte, elle ferme aussi la chambre. Complètement pour faire une vraie chambre. Une vraie chambre et surtout une grande douche WC. Ouais. Grand frigo, immense. Super. Et puis bah, les petites lumières là, c'est vraiment propre. Attends. Super. Donc là on est sur le Globus T1. Il est vraiment tout petit. Ça pour un couple de retraités, c'est parfait. Quoi. Et le lit transversal, donc ça c'est cool aussi. Jamais assez, il doit y avoir, j'imagine, une échelle ici. Et les toilettes et douches convertibles. Voilà, ça donne ça. Et donc là, bah, il y a les toilettes. Pas mal. Pas mal du tout. Avec aussi le lit pavillon. Attends, pas tout de suite. Et puis bah, le salon face à face. Ça j'aime bien. La petite cuisine et la grande chambre derrière, c'est vraiment propre. Et ça j'adore, c'est-à-dire que tu as les toilettes et la douche de chaque côté. Et c'est-à-dire que tu peux fermer la porte. Avec des vraies portes, ça c'est génial. Tu peux fermer ici pour faire une douche WC. Et en plus, tu peux fermer voilà pour vraiment être peinard le matin. C'est pas comme ça, j'aime bien ça. Ah, les salons face à face, c'est bien. Hein. Et puis bah, le frigo slim aussi, c'est pas mal. C'est la grande tendance. Ouais. Ça, elle est bien aussi. C'est super. Hein. Ouais, très très bien. On est sur le Deathless Trend. Pas mal. Beaucoup de placards. Puis les placards, ils sont balèzes, je veux dire. Hop. Ils sont vraiment grands. Très bien. La luminosité super, ouais, Deathless. Hein, c'est... Ah, et maintenant on va aller voir le stand chausson. Il y a un modèle que j'aimerais vraiment voir. Chausson 7008. Top. Lit pavillon, des lumières partout. Les placards, ils sont propres, hein. C'est beau, regardez ça. Voilà, la télé, il y a même la place. Évidemment, le frigo slim, qui est super. Et la grande chambre derrière. Ah, donc voilà, c'est celui-là que je voulais voir. C'est le 716. Avec un 140 chevaux de litre 3, c'est pas mal. Hein. Mais il y a un petit peu de monde dedans. Donc on... voilà. Les deux lits superposés à l'arrière descendent en électrique. Donc quand t'as les petits enfants, t'as moins de soucis. Et du coup, en permanence, c'est un salon. Et le soir, la nuit, tu descends les lits
et bah, ça devient une chambre. Donc voilà, c'est quand même super bien comme concept. Et puis bah, le salon, je vais vous le montrer juste après, il est immense. Génial. Donc et regarde, tu vois, la journée c'est un bureau pour pouvoir travailler ou faire des dessins, des jeux. La douche, elle est comment? Elle est bah. Bah la douche, elle est super. Je vois pas grand chose par contre. C'est dans. Ça par contre. Ah alors ici un petit bémol sur la solidité du. Non mais on n'est pas. Du rideau, c'est pour. C'est quand on voit Clémence manipuler, ça fait toujours. Les toilettes et il y a un salon qui est immense. On va allumer la lumière, viens voir Clémence. Le salon face à face, immense. Bah, en intégrale, ça serait encore mieux, quoi, parce qu'on pourrait. Il y en a un qui. Ça doit exister. Un parent qui dort et l'autre qui peut bouquiner ou faire de la gratte. Les salons face à face comme ça, c'est génial. Ah, c'est hyper bien. Ouais. Il est pas mal. Hein. Ouais. Il est à combien? Ah. Et on peut le gagner. Alors, combien ça coûte? Combien ça coûte? 56 280 euros. Bon, le prix de base, il est à 55 000. Ouais, le 716, super. Ouais, donc effectivement, j'ai demandé à un vendeur et il n'existe pas en intégrale. D'accord. Dommage. Non, mais le système est super. Ah, le système est bien. Hein. Ouais. Bon, c'est ce que je voulais voir. Alors, on va voir la Tineo s'en bas, là. Itineo. Okay. Et Itineo. Allez, c'est parti. C'est celui-là, c'est le Ladria Sonic 600 SL. Donc, un intégral. Et il est super. Il est super, le grand salon. Attends, on va regarder la salle. Vraiment bien. La cuisine, elle est top aussi. Et ouais. Puis, il y a plein de placards, quoi. C'est, évidemment, bon, le lit pavillon pour les parents. Et ça, c'est les toilettes. Ouais, c'est, et douche, donc c'est un peu petit. Ah, c'est toilettes et douche. Un peu... Moi, je suis un peu costaud. Mais, et puis bah, là, chambre enfant. Quoi. Bah, normalement, ouais, c'est les la jumeaux. Chambre parentale. Mais bon, nous, ah, bah non, plus. Nous, ça serait l'inverse. Ouais, bah, nous, on dormirait là. Et c'est un, par contre, c'est un petit intégral. C'est-à-dire que le lit pavillon, il y a une partie du lit qui descend sur le carré. Quoi. Ah, ouais. Mais bon, bah, bah ouais. Ah oui. Peut-être qu'à la longue, c'est pas terrible, faut voir. Oh, il est balèze celui-là. Soit vous dormez comme ça, soit vous dormez comme ça. Ouais. Vous choisissez en fait. Super propre.
Ah, et le lit transversal arrière, j'adore. Super. Bon, petit point négatif, c'est cette douche okay. Dans la chambre. Avec Chloé, on n'aime pas. Voilà, vraiment un mini camping-car, le travel van. 58 000 euros, on va dire. Il est petit. Avec des grands placards. Ah, c'est vraiment bien. Super. Alors, Bürstner, ils ont le XEO aussi. Je dois dire que je suis assez curieux. Le jumeau à l'arrière, avec ce que j'adore, c'est-à-dire la douche d'un côté, et j'imagine les toilettes de l'autre. Super. Ça, c'est le XEO, je ne sais pas quoi. XEO T136 de chez Bürstner. Il est vraiment bien. Alors, celui-là, il est vraiment super. Ah ouais. Waouh. Salon face à face. Et puis bah la chambre elle est immense. Immense. Ah ouais, super. Alors, Immer Mobile. Ça a l'air chouette. Hein. C'est une bonne marque, c'est allemand Immer, je crois. Donc là on est comme ça, ouais, le salon il est sympa. Hein. Avec des lits jumeaux à l'arrière. La cuisine un peu comme dans les vannes. Et la télé qui descend sur vérin ou je sais pas quoi. Pas mal hein. Alors, ça c'est pas mal. Hein. Non, t'as tes chaussures. On a un grand salon avec les enfants de l'autre côté, comme le nôtre en fait. Et la capucine qui est assez grande quand même. Et l'avantage, j'ai l'impression de celui-là, c'est que... Ah non, on peut pas séparer la chambre des enfants, dommage. Ah, je pensais qu'on pouvait séparer le truc. Attention, là on est sur un voyageur, c'est carrément immense. Oh la taille du salon. Là le système ça envoie du lourd. La batterie lithium. Donc en fait, il y a du 220 en permanence. Quoi. Et non. Alors le prix, il est assez énorme aussi. C'est le prix d'un appart, quoi. Voilà. SB740, c'est celui qu'il nous faut. Là, mamie, on est venu au salon parce que mamie, elle voulait absolument voir celui-là. Donc, collection 2020. On est sur un 140 chevaux. Voilà quoi. Allez, on y va. Je mets ça comme ça parce qu'elle est vraiment à la descente. Alors.
Ah bah t'es là toi. Comment t'es passé là? Ah bah par la trappe là. T'es content de tes bêtises? Bah retourne-y, non. Tu fais attention, hein, ne tombe pas. Ah il est vraiment bien. Nouveauté 2020, implantation exclusive Home Cinéma. C'est le RC740. Ok, donc t'as carrément les enceintes ici. Là là. Et elles sont où les autres? Je sais pas. Donc tu descends le rideau. Voilà le home cinéma. Et c'est le home cinéma. D'accord. D'accord, d'accord. Le lit central, mais dans l'autre sens. Ah ouais, parce que t'as un projecteur. T'as un vidéoprojecteur ici. Tu vois? Ah oui, ok. Oh la vache. Oh là là, ah, ils font là des là trucs là incroyables. Avec les placards, ils sont top. Et en fait, c'est... Bah, ah ouais, grand placard voilà, aussi. C'est la même conception que le petit. Super. Vraiment, je trouvais que... Ah, ils font des efforts, Itinéo. Ouais, et puis, regarde l'épaisseur, quoi. Oui. C'est vraiment solide. Ils ont fait vraiment des efforts, hein. Et c'est quand même pas mal du tout. Super. TC740 de chez Itinéo, grand salon face à face, donc bah, tout le poste de pilotage, hein, boîte 6 vitesses, le lit pavillon qui est au-dessus de moi, et puis bah, un grand frigo, oh, génial. Oh, super, le grand frigo, et puis du coup lit transversal arrière, moi j'aime bien, je préfère, honnêtement je préfère. Il fait combien? Il est hyper haut celui-là. Ah oh ouais, mais il est top. Hein. Ah, mais ah, j'adore. Je voudrais aller voir la chambre enfant. Bah, il est super, mais. Tu veux aller voir l'autre? Il faut avoir un scooter et tout. Ça le SB740, tu veux retourner voir? Ouais. Allez, go. Là, c'est la chambre. Alors voilà, Chloé voulait revisiter le SB740. Ouais, la chambre 2. Ou le SLB, je sais plus. C'est dans, celui-là, c'est le SB. Mais par contre le SLB il est plus grand je crois et du coup c'est là, beaucoup mieux le lit de Jeanne. Voilà le lit de Clémence en dessous et puis le lit de la cousine et là, voilà si on emmène une cousine ou un copain de classe et ça les portes se ferment. Thank you.
s'est passé? Elle a perdu sa dent dans le salon du camping-car. Le salon du camping-car, c'est un signe. Et c'est malin, tu peux peut-être trouver une pièce dans chaque lit. Le nom de lit qu'il y a dans... Ma pauvre chérie, t'as plus de dents. Bah c'est ça, ah, alors, 5 ça... ans, t'es grande. Oui, mais attends, on la garde autour là parce que c'est quand même un grand jour la première dent. Regarde. Attends, je suis pas prête. Ah ouais, c'est un événement ça. Ah bah première dent bleue. Je vous mens pas, hein. On est vraiment au salon du camping-car. Hein. Ça a pas marché. Alors ah, ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Attends, c'est bon. Arrête, ils ont installé le petit truc qui va bien, le petit salon qui va bien pour que les gens signent. Allez, on va visiter le reste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a deux toilettes. Francia. C'est immense. C'est toujours à peu près le même poste de pilotage. Le grand salon. Grand salon face à face, le lit pavillon, ils sont à peu près tous faits pareil cette année, mais... Ah oui, j'avais pas vu, mais il y a carrément un sèche-serviette ici. Non, celui-là, il est vraiment super, j'adore. Ah, oui, ta dent qui est tombée. Et voilà, une dent en moins, ça veut dire que t'as 5 ans. On va pouvoir regarder dans fais tous voir tes les dents, tu vois. Tu les as encore? Ah oui, t'as toujours tes dents. Et oh, toi, fais voir, t'as toujours tes dents. Ouais, moi j'ai toujours mes dents. Allez, on y va? On a faim. Bon, allez, on a faim, mais... Ouais, moi j'adore, tous les modèles 2020, là, super. Ils sont beaux, hein. Ah, vraiment, c'est génial, salon face à face. L'intérieur, c'est top classe. Et ils ont mis des LED. Alors ça, c'est pareil, c'est dans... Ils ont mis des LED partout. Non, c'est génial. Allez, oh là là, petite fille qui a perdu sa... Faut juste... Voilà, si tu veux pas se rendre grande fille, faut avoir perdu... Ok, bon bah j'espère que vous avez bien aimé cette petite visite. Donc comme d'hab, hein, les petits pouces en haut. Attention, il y a une voiture qui arrive à fond. Les petits pouces en haut. Et puis surtout, abonnez-vous. Là, on est un petit peu comme beaucoup de... Beaucoup de gens qui ont des chaînes. Hein. On a toujours cet objectif d'arriver à ces 1000 abonnés. Alors, encore 300 et quelques hein, en ce qui nous concerne. Donc, abonnez-vous. Et puis, alors, bilan de salon, c'est pas mal. Hein, les nouveautés 2020, là. Oui, super. Mais il y a des trucs pas mal, des trucs moins bien. Ouais. Ce que j'ai bien aimé là, dans le rapido, c'est les deux lits qui se descendent. Ça, c'est une innovation. Le chausson. Ouais, le chausson. Après, une qualité intérieure moins bien. Mais par contre, les deux Itineo qu'on a vu là, super. Et puis non, des belles choses, ouais, je trouve que c'est pas mal. Les conceptions intérieures sont Mieux en mieux. Voilà. Espace, les salons face à face. Les salles de bain qui sont plus grandes. Plus grandes. Et les cuisines qui sont aussi mieux faites que tout le temps, ces cuisines en L. Il y avait l'année dernière, il n'y avait que ça. Alors que là, il y a des cuisines en loup qui sont très très bien. Ça donne... Et puis c'est quand même une grande année parce qu'on a perdu une dent pendant le salon. Hein Jeanne, t'es voir ta douche? Ça c'est un signe. Faut faire, t'es bon? Ouais mais on l'a vu tout à l'heure, je l'ai filmé. Donc voilà. La petite souris, elle nous a pas offert un camping-car, dommage. Dommage. Bon allez, on s'abonne. À plus tard pour les prochaines vidéos. Ciao. J'ai oublié de vous dire.